Re-YouTube. On est reparti et cette fois-ci sur la boucle là, vous allez voir. On va rencontrer des mecs, toujours sur Outer Wilds, hein, évidemment. Et là les mecs, on va les esquiver. Ils vont rien comprendre. Hein. La forêt nébuleuse. Forêt dense le long. Ok. Super. Tu baragouines du japonais à force de voir les films et les animés. Ça veut dire quoi, Yamete Kodasa? Hein, quoi? Non. Pas ça. Et c'est aussi le salut de Goku. Ah bon, Goku il s'appelle Number 80? C'est très macho comme présentation. Ah! Les atterrissages. Les pires atterrissages, c'est ici, hein. Attention, le japonais des animés des arts gothiques est peu employé au quotidien. C'est très familier et rural, Goku est censé être un gros bouseux. D'accord, bah voyez, vous êtes plutôt d'accord en fait avec, avec Johanna. Da 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 da. Da 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 da. Allez! On va faire un petit tour. Attends que je le connais par cœur là. Je regarde aussi beaucoup de films de samouraï. Et d'yakuza. Pas forcément des bonnes refs. Aïe. Est-ce que tu as regardé le live de Maudit ce matin? Parce que d'habitude je regarde pas les lives de Maudit quand t'as fait du des rollers. Là ce matin j'ai regardé. Et c'était rigolo parce qu'elle était, elle était sur le pont Raymond Barre. Et je suis allé au pont Raymond Barre. Donc je faisais ah je connais ça dis donc. À côté du musée des Confluences. Enfin elle est entre autres passée par là, c'est au moment. C'est à ce moment là que j'ai regardé en fait. Que j'étais en train de regarder donc. C'était chouette à regarder. Vraiment avait la barre. Non là, non, 0 sur 20. Merde, c'est pas lui. Merde, c'est pas lui. C'est là. Je vais encore tout enlever avant de... Avant de trouver le bon, quoi. Aïe. Je me suis encore éclaté. Je l'aime, ce Raymond. A priori, t'as pas la ref sur Raymond Barre, parce que... je pense pas que tu dirais ça si, si tu voyais vraiment la tronche de Raymond Barre. Hein. Est-ce que tu vois à quoi il ressemble ou pas, Raymond Barre, patatarte?
Je vois bien Number 80 se promener chemise déboutonnée jusqu'au nombril en mode. Auréa Number 80 da. Je suis nul en langue étrangère, déconnez pas. Même Sugar Daddy, j'en veux pas. Bah ouais, c'est Raymond Barre quoi. Je me doutais, hein. Je me doutais que t'avais pas la ref parce que vu que ta réaction, c'était évident que t'avais pas la ref de Raymond Barre. Hein. Et donc là, vu qu'il y a plein de lumière, ils vont pas être là. Ah mais regardez, il y a une porte qui est là quoi. Il y a encore une porte là aussi. Oh là là, va falloir que je vienne ici. Va falloir que je vienne ici quand les lumières sont éteintes quoi. C'est sûr. Et ça va pas être fun parce qu'il y a les mecs quoi. Ça va tellement pas être fun parce qu'il y a les mecs. Donc après, il faut que je descende et paf là, ok. Ok, bon, on y retourne. Alors, j'arrive là. Non. Il faut que je monte tout là-haut. Allez, go! Pas dévié, hein. Putain, ça vibre. J'aime pas quand ça vibre dans le jeu, quoi. À chaque fois que ça vibre dans le jeu, c'est parce qu'il va se passer un truc de merde, quoi. À la rigueur avec un Marcel en dessous, Raymond Barre, grand acteur porno des années 70, il a pas mal tourné, Valérie le destructeur... Hein ? Attends, Valérie le destructeur de lit, ouais. Nico rapide de mes cours de Keigo. Déjà, on dit rarement « je » en japonais. Quand le locuteur parle, sans mettre de thème, sujet, on sait qu'il parle de lui. Mais oui, il y a plein de petits bruits maintenant. Ah mais il n'y a plus... Putain, ça a éteint le pont. Non ! Comment on les évite ? Putain, ça a viré le pont, quoi. C'est dégueulasse. Ah mais attendez.
C'est faisable, non? Non, c'est un peu trop. Ah, c'est un chouïa trop. Je suis sûr que je peux retomber sur une table ou sur un truc où je me fais juste mal et je meurs pas. Ensuite, du plus formel au plus informel, on peut utiliser en général watashi, beaucoup, ore. Beaucoup est très utilisé dans le monde du travail ou entre amis. Les enfants ont tendance à mettre l'emphase sur le beau et les adultes sur le coup. Coup est principalement utilisé par les hommes, rarement par les femmes. Beau. Non, beaucoup. Beaucoup, je le dis effectivement souvent. Voilà, super. Principalement utilisé entre amis, n'est jamais utilisé par des femmes. Le jeu des machos, macho men. En fait, ouais, il va falloir que j'y aille, mais. Faut y aller au pif, quoi. En fait, j'arrive là, et là, je me planque. Je suis où? Quoi? Allez, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, c'est un jeu de merde. Ouais. On s'amuse bien, hein. On a perdu Number 80. Non, non, mais non, t'inquiète. Il est en train de rechercher des pornos avec Valérie et Raymond. Comment on les évite? En fait, là, j'ai pas trop d'idées de comment je l'évite, lui, parce que... Putain, comme il m'a fait...
Comment il m'a fait flipper ce connard en haut là. Mais en fait, je sais même pas si c'est celui d'en bas qui m'a suivi ou si c'est un autre qui était là. Les éviter, c'est simple, clic droit, désinstaller. Après, je pourrais mettre l'option baisse de la peur là. Je pourrais baisser la frayeur. Et je pense que ça marcherait un peu. Mais là, le problème, c'est que j'ai aucune foutre idée. Baisse de la peur, wesh. T'es une mauviette. Ouais, bah je préfère être une mauviette, mais continuer le jeu, quoi. Vous pensez que ça marche si je vais tout droit là? Phenium Montana, c'est qui Anna? Bravo. Putain, mais j'ose même plus y aller, quoi. Putain, monte sur la rambarde, par pitié. Il y a une table. Si je tombe sur la table, est-ce que vous pensez que c'est ok? Non, la table est vraiment trop loin. Je fais des blagues pas drôles uniquement pour baisser la pression. Eh bien, je te rassure, ça ne marche pas. Putain, je sais pas comment les pas. Allez, putain, mais faut. Vous savez que je suis pas bon au jeu sneaky. Et là, tout est en train de tourner en mode faut y aller en fufu. Faut pas se faire repérer, quoi. Enfin. C'est typiquement là où je suis mauvais au jeu, quoi. Vous m'avez vu dans Horizon, hein. Est-ce que dans Horizon, ça vous donnait l'impression que j'étais bon pour pas me faire repérer? Oh, attendez. Est-ce que je peux arnaquer? Ah non, une fois qu'on est parti dans un... Il n'y a pas le air control dans le jeu. On n'a pas de air control. Ou alors le mec, faut l'attirer. Non mais il va me voir, il me voit à 12 km, quoi. Tu m'as fait peur dans ton bourrinisme sur Horizon. Ah, vous voyez? Vous voyez, je suis pas doué. Je suis pas doué pour pas me faire repérer dans les jeux. Et là, le jeu, là... Là, il est parti en mode full... Metroid, full... comment ça s'appelle? Est-ce que si je bourre... Tiens, parlons de ça. Est-ce que si je bourre, ils arrivent pas à me choper?
Salut toi! Ah, j'ai pure vie là. Peut-être faire un truc genre une diversion, ouais, mais là j'ai pas d'idée. T'as vu le pont? T'as vu la largeur du pont? Baisse la peur et t'embête pas. On peut essayer. Ces aspects effrayants font partie intégrante de l'expérience d'Echoes of the Eye. Toutefois, si vous empêche d'apprécier Outer Wilds, cette option vous permet d'atténuer les aspects. Voulez-vous l'activer? Oui. Voir ce que ça donne. Merde, oui. Fais une pause sieste là. Fais une petite siestouille. Bon. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est tout aussi chiant. Hein. Non mais... Il m'a pécho, il m'a pécho quand même. Bon, effectivement, ils sont un peu moins... Ils sont un peu moins vénères. Pas moyen de taper là, c'est juste des gros pigeons. Ouais bah ouais non bah je sais non. Plus j'ai perdu tellement de temps, ça me sert à rien en fait là. Bah Eve là, la musique. Putain, mais comment il fait pour me voir?
Pas rigolo, hein. Oh, je suis même pas mort! Genre. Alors, genre, sauter de l'étage. Pour arriver en bas. Et arnaquer le jeu, ça ne marche pas. Par contre, là, juste m'éclater comme ça, pour me suicider, ça ne je meurs pas, quoi. Non, mais regardez ça! Regardez ça, ça fait deux fois que je m'éclate, je suis pas mort! M'en fous. J'ai même pas réussi. J'ai même pas réussi à me mettre en dessous. Quel dommage. Oh, j'ai plus envie. Je vous promets, j'ai plus envie. Déjà, faut que je retrouve les deux autres manières. Parce que là, j'en ai trouvé une. Déjà. Ça peut être une bonne chose, déjà. De retrouver comment on passe. Et là, les mecs, je sais pas comment les éviter, quoi. Plus envie, c'est un bon moment d'invoquer à Warpal ou de passer sur contrôle. Oui, le coffre, ça on sait. Entre d'autres mini silhouettes, elle assume une procession de lumière et traverse une forêt avant d'atteindre. Ouais, ça ok. Ça j'ai trouvé. Alors ça, voilà. C'est donc celui-là. Ça, j'ai trouvé. Ici. Dans le puits. Alors le puits, c'est le truc qu'il y a dans le milieu. Mais le problème, c'est que... Il y a peut-être un truc pour éteindre de l'autre côté. Faudrait que j'aille vérifier. Hein. Donc là, c'est quand on part de la tour, ça. Et ici, on a la forêt. La forêt, c'est quand on parle de... C'est quand on part d'où ? D'accord, qu'on part du premier, c'est ça, hein. Ouais, les îles cendrées. Là, la gorge cachée. Y'a rien, temple abandonné, ça on s'en fout. Le réservoir. Y'a un temple au réservoir aussi? Là, chaque fois qu'il y a un carrousel, là, vous voyez, il y a pièce d'incinération de la positive. Paf! Ça vaut le coup d'aller voir. Hein. Si au réservoir, il n'y a pas. Il n'y a pas un temple. Putain, pourquoi ils ont mis des mecs, quoi? Genre les énigmes c'était pas assez, il faut en plus qu'ils mettent des mecs quoi.
Sinon, mais avec des mecs chelous, quoi. Ah. T'as vu ça, quelle rapidité. Non mais sinon on va essayer de... sinon on va essayer de... De se mettre sur la station. La station du soleil, hein. On va try pendant une heure, station du soleil, paf. Ça va être parfait, hein, ça va faire passer le temps. Hein. Non mais y a rien de ce côté-là. Là c'est pas un temple. Y a pas des mecs morts là-dedans? Je crois pas. J'ai fait un gros plouf, quoi. Là, il y a juste, ouais... truc de diapo, là. Ouais, ça. Ok. Ça, je l'avais... Je l'avais ouvert. Ah, je suis déjà, j'ai déjà plus de carburant, quoi. Aïe. J'ai déjà claqué tout mon carbu. Ouais, c'était bien essayé. Hein. Allez. Allez, on va essayer de on va essayer d'aller sur la station.
Hop, la station du soleil, mais en manuel. Hop là. J'ai envie de me faire une petite boucle là, une petite boucle pour du faux. C'est bien, je suis juste en face en plus là. J'ai juste à faire ça. Hop là. Non. Trop. Je la vois débarquer, voilà, j'y vais. Trop près. C'est trop près. Je peux le faire. J'y crois. J'étais pas loin là, je le sais. Je sais, je sens, j'étais pas loin. Je sais que vous voulez voir la fin du DLC, hein. Mais là, j'ai plus envie. Là, tout de suite, maintenant, ce soir, là, j'ai pas envie, hein. Je suis pas dans le mood, là, de me faire bolosser par des mecs H24. J'ai envie de faire des trucs fun. J'avais commencé la session par des trucs fun. Et là, le jeu, il m'a dit non. Le jeu il m'a dit en fait non. Tu vas te faire tu vas te faire avoir en boucle. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi? Attendez, faut que je sois un peu plus comme ça. Attendez, faut que j'aille plus bas, je pense. Faut que j'aille plus bas, que je vise vraiment le. Le sommet là. Non 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 non. Oh merde, ça y est, c'est déjà mort. Non, c'est bon, je m'éloigne là. Donc il faut... Trop loin. Merde. Merde. Putain, c'est ouf. Allez. Allez, j'y vais. C'est fou, hein. Faut trouver le bon angle, je pense. Il y a un bon angle. Mais il est un peu chaud à voir, hein. Le problème, c'est que plus j'attends... Oh non, je suis plein dedans, là. Oh non, non, je vais aller dedans, là. Ah bah oui. Bon. J'ai envie d'avoir d'autres trucs. Je peux le faire. Hein. J'y crois. J'y crois, je peux y arriver. Pas simple. Hein.
Ouais, avoir pas la réussi en 3 fois, mais... Hein. Alors là, je suis aligné avec le bazar. Là. Putain, je me rapproche déjà tellement, quoi. Allez, go, c'est parti. Faut vraiment viser le haut, quoi. Yes, je l'ai là. Ah merde, je suis en train de monter. Mais non, je suis en train de monter, quel con. J'étais un peu mieux là. Je sais que ça se voit pas, mais j'étais un peu mieux. Faut taper full en bas. Hein. Une fois qu'on est bien sur l'horizon là, faut vraiment plus remonter hein, du tout. Hein. C'est quand on attaque là? Et merde. Crotte. Flutio, hein. Attendez, faut que j'en remette bien. Ah. Je suis un peu... Non, 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 non. Non, déconne pas, déconne pas, déconne pas, déconne... Flûte. En fait, je mets full thrusters et en fait, non, faut pas. Faut y aller par petits à-coups. Avancer, paf, paf, paf. Si on va trop vite, en fait, ça ne marche pas, quoi. Il n'y a pas moyen de balancer notre truc dessus et après de on peut suivre le guetteur. Arrête, 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 barre-toi, 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 pitié, barre-toi, merci. Ça veut pas ce soir. Hein. Y'a rien qui veut ce soir.
Déjà, faudrait que je regarde si le guetteur, on peut le suivre. Ah, il y avait un autre truc que j'ai pas... j'ai vu. Hop. Petite connerie, hein, mais... truc rigolo. Lui, faut le déglinguer. Pour plus avoir la carte. Mais vraiment, faut lui foncer dedans, quoi. Chose que je n'avais pas faite. J'avais été très doux avec... avec notre petite sonde. Mais en fait, faut pas être gentil, faut foncer dedans. Comme un malandrin. Et hop, elle est là. Et bam! Carte hors ligne. Tu m'étonnes. Allez, let's go, on va sur le soleil. Système électrique endommagé, c'est pas grave ça. Ça sert à quelque chose ça ou pas? Est-ce que le système électrique sert à quelque chose? Je ne crois pas. Hein. Loupède. Oh, oh merde, attends, il y a l'autre planète en plus là, qui m'est passé devant là. Ok, bon. Alors ton guetteur, tu me le ranges là. Et vas-y, on est parti. Je vais trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça m'a carrément tout baisé. Mon alignement et tout, tout est foiré. Bien dommage. Alors là, je suis pas trop mal. Non, je vais aller dedans, 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 je vais aller dedans. Éloigne-toi, éloigne-toi, merci. Ok.
Allez, éloigne-toi un peu là. Là on sent que t'es bien attiré par le truc là. Ah voilà, je voulais ça. Déjà, je voulais me réaligner avec le machin là. Non! Non! Non, pitié! Putain. Ah, ça, vous allez m'entendre implorer la pitié plein de fois, je pense. C'est fou. Comment ils y arrivent si facilement les gens? Il y a Varpal, il a réussi rapidement. Et Shisheyu, il a réussi du premier coup. Enfin, pas du premier coup d'ailleurs. Enfin, quand il a réessayé de manière sérieuse, après avoir joué plusieurs heures au jeu, il l'a fait en first try quoi. Et moi, j'arrivais même pas à m'en approcher quoi. Tout à l'heure, j'étais pas trop mal. Hein. Alors j'étais honnêtement pas trop mal. Je pense qu'il faut arriver à trouver le bon setup quoi. Arriver à bien se caler là. Commencer. Voilà, ce thruster en haut. Et là je vais trop vite. Et là je vais trop vite en fait. Là c'est sûr, ma vitesse était vraiment trop élevée. Ça ne peut pas marcher avec cette vitesse là quoi. C'est soit je vais foncer dedans. Faut vraiment y aller petit à petit quoi. Allez, descends, descends, descends. Descends. Je sais même pas où est la station. Elle est là. Je la rattrape. Merde. Merde. Ah chier, j'y étais bien là. Là, j'ai trop vite. J'ai trop vite, j'ai trop vite, j'ai trop vite. J'allais 12 fois trop vite. Faut vraiment y aller un petit à petit, quoi.
Mage. Non. Je prends trop de vitesse. Ça y est, je revois la station. Évidemment, je m'en éloigne. Ah oh, merde quoi. Oh là là, mais tellement loin là. Tellement trop loin. Je vais prendre évidemment trop de vitesse. Non, je suis dedans. Merde. Ou alors faut que je la prenne dans l'autre sens. faut que j'aille dans le sens inverse. Et que je me la prenne pleine tête. Mais bon, je pense que vu la vitesse à laquelle elle va... c'est chaud. Non, on va le refaire. C'est chaud. Ah, je peux y arriver, hein. Je peux y arriver. Je suis plus très très loin là, il y a un petit truc. Hein. Il y a un début de quelque chose. Hein. Vous avouerez que c'est mieux qu'au début. Hein. Voilà, vous avouerez rien, mais... Moi je trouve que c'est mieux qu'au début. Hein. Vous avez vu la vitesse qu'on prend, regardez, je lâche, là je fais rien. Regardez la vitesse qu'on prend quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a fait ça? J'ai plongé direct dedans, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi j'ai plongé direct dedans là, mais... Ouais, c'est bon, je viens de comprendre. Non, c'est bon, j'ai compris pourquoi j'ai plongé direct dedans. J'ai pas appuyé sur le bon. J'ai appuyé sur la gâchette gauche pour... ça m'a descendu. Évidemment, j'avais pas la vitesse pour le faire. Donc... Donc, évidemment... Et non, ça ne marche pas quand vous utilisez pas la bonne gâchette. C'est pas bon. Down, 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 down. Okay. Là, j'ai... Là, je suis aligné. Presque. Je suis pas content de le... Ouais, là je suis mieux là.
Oh putain, mais évidemment... Évidemment que je me fais défoncer, quoi. Putain, mais pourquoi... Pourquoi le truc passe à ce moment-là, quoi? En fait, faut vraiment donner l'impulsion de départ. Et après, plus jamais remonter, quoi. J'étais plus aligné avec la station, quoi, là. Pourquoi je trouve pas la station? Putain, j'étais bien. J'étais tellement bien, là, je trouve pas la station. Tellement bien, je trouve pas la station pour une fois, quoi. La v'là. Voilà, je suis en train de choc, je suis en train de choc. Allez, reviens. Allez, non! Non. Je suis en train de perdre tout le momentum que j'avais. Ah. Putain, j'étais bien. Merde! Merde! Retourne-y! Oh merde! Ma conviction n'est pas grande, j'avoue. Bah voilà. T'as vu que je peux le faire. Si jamais je ne descends pas comme un bourrin, comme je viens de faire, c'est faisable. Faut juste pas descendre comme un bourrin comme je viens de faire. Mais je suis très content du coup de montrer que tu as tort. Et peut-être que tu le fais exprès d'ailleurs, de me dire t'y arriveras pas, juste pour que je le fasse. Pardon petit rototo, hein, vous savez c'est le stress. De la psychologie inversée, exactement. Melzekiel fait de la psychologie inversée avec moi. Si tu pouvais ne pas te mettre dedans direct, ça m'arrangerait.
Ah non, pas du tout. Ah donc je t'ai juste prouvé que t'avais tort alors. Oh, je vais tellement vite, je vais tellement trop vite. Putain là j'ai cramé le dessous du vaisseau là hein, je crois. Mais c'est un vaisseau, c'est quand même un, je suis quand même dans un vaisseau qui est en bois hein. Je suis à côté du soleil. Tout est ok hein. J'aurais quand même du mal à être collé plus au soleil là. Allez la station là. Merde. Tu n'as pas réussi à te poser dessus donc j'avais raison non? Je sais pas. Non tu me disais que t'étais ta conviction était pas grande du tout que j'y arrive. Et j'ai pas réussi à me poser dessus mais j'ai quand même rebondi dessus enfin tu vois. Oui effectivement j'ai pas réussi mais derrière j'étais à la bonne distance tout ça enfin tout était bien quoi. Mais déjà je m'améliore par rapport à la première fois où juste je tombais dans le soleil direct. Bon bah voilà. Il y a de l'amélioration, je pense que là je peux le faire. Après si vous ne croyez pas en moi, vous ne croyez pas en moi, mais ça m'attriste. Je te dis que je crois en toi, tu vas peut-être sortir. Ça c'est super galère par contre. Hein. Non! Arrête! Arrête! Non! Non, c'est chiant! Putain, j'y étais, quoi. Allez. Mais non mais...
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis bloqué ? Putain, c'est chiant ! Mais j'y arrive ! Mais genre ! C'est parce que mon train d'atterrissage, tout mon système électrique est pété, c'est pour ça ? Putain, j'étais dessus. J'étais dessus, mais ça tenait pas. Putain, j'étais dessus. Putain, dégoûté. Tout ça parce que je me suis tapé les sablières juste avant, quoi. Les sablières qui sont pile dans l'axe, quoi. C'est tellement relou, quoi. Là, j'étais dessus. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'avais réussi. Tout ça parce que je me suis tapé les sablières avant, quoi. Pardon, j'ai encore roté, mais c'est encore le stress. Attendez, faut que je fasse gaffe aux sablières. Je sais pas où elles sont, mais il faut que je fasse gaffe, quoi. Non, je vais encore me les prendre en pleine tête. Je sais pas où elles sont, ça me fait flipper. Hein. Allez, let's go! Putain de merde. Il est où? Oh là là, qu'est-ce que j'ai pris encore? Je sais pas. Pourquoi ça tient pas? Pourquoi on n'arrive pas... Pourquoi ça arrive pas à tenir? Il y a un truc spécial à faire? Comment ils font les gens? Allez regarder... allez regarder quelqu'un qui a réussi. Comment ils font? C'est pas là-dessus qu'ils se posent? Moi je vois... Il n'y a pas de raison qu'ils se posent pas là-dessus, quoi. Bon, maintenant j'y arrive. Maintenant j'y arrive, en fait. Mais j'ai un peu compris le principe du truc. C'est pas si compliqué que ça. Mais maintenant, ouais, non, ce qui me manque, c'est... On va faire le con, là. Mais s'il vous plaît, quand on demande d'aller voir sur... Il vous plaît, patatarte. Ouais, peut-être que les gens se posent pas là-dessus, quoi. Allez, go.
Allez, redescends, pitié. Ok. Je suis dessus ou pas là? Est-ce que je suis dessus là? Ouais, c'est pas là. Je cherche une flèche à la partie gauche. Ah merde. Ah d'accord. Ah! Non, 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 non. Ça tient assez longtemps là. Sors! Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas sortir? Pourquoi il veut pas sortir? Connard. Je sais pas où je suis. Ah bah ouvrir les outils, mais c'est déjà ouvert. C'est rigolo ça. Je peux pas y passer. Hein. Oh regardez, je suis encore là. Attendez. Merde, 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 merde. Vas-y, non? Ah! Ah! J'ai peut-être un truc là. Hein. Je pense qu'il y a une autre entrée. Je crois pas. Hein. En fait, le problème c'est que je suis keblo en fait. J'ai un souci de gravité là. Aïe, aïe. Je pense que vu que tous mes systèmes sont morts là, ça aide pas en fait. Clairement mes systèmes tout morts ça doit pas aider. Hein.
Attendez, on va essayer un truc. Je vais essayer d'être éjecté. Est-ce que ça peut marcher? Si je me fais éjecter. Comment je peux être éjecté là? Ça serait bien. Là je serais bien placé hein. Il faut que je puisse appuyer sur le bouton. Merde. Ah, retourne là-bas, s'il te plaît. En fait, c'est ça, faudrait que je me fasse éjecter. Alors, pour arriver à viser le bouton, alors que je suis ballotté partout, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ouais, c'est mort. Je pense que le vaisseau qui était pété, c'était pas ouf. Tu penses qu'il y a une autre entrée? Je vais y arriver. Vous avez vu maintenant, à chaque fois là, à chaque fois je me rapproche du truc, bon. À chaque fois je me rapproche de... Tu recheck, merci. Moi je pense que me mettre tout près là et m'éjecter, c'est pas déconnant. Ça va faire sauter le hublot. Ok, on y va. Wallé. Ah regardez, je peux aligner à vitesse maintenant. Ouais, faut sortir, hein. Bah on est d'accord. Hein.
Non mais déconne pas, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait là? Il était bien depuis le début là. Alors donc, tac. Tout à l'heure j'ai réussi à trouver un angle. Quand je bourrais. Ah. Merde. Non, 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 non. Alors j'ai vraiment trouvé un angle où j'étais bien. Putain, ça alignait mon cul, ouais. Ah! Bah si j'ai fait, mais faut que j'essaye de m'éjecter. Non, merde, loupé. Putain, faut vraiment trouver le bouton d'éjection, quoi. Et vite. Voyez. Pas simple, hein. Moi j'ai pas réussi. Sortie normale, ça marche pas. Ou alors. Ouh. Merde. Non tu vois je me fais. Alors soit ils ont rajouté ça dans le DLC. Tu vois en fait là je contrôle plus mon personnage en fait. Et il se fait tabasser de tous les côtés. Je peux même pas retourner. Donc je me demande si dans le DLC ils ont pas rajouté ce truc là quoi. Faudrait que je me mette en vue libre. Alors attends c'est galère hein. Faut que j'arrive à bien me placer. Ce qui est déjà un truc en soi. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Je me suis pas du tout fait éjecter là. Je crois que j'ai un bug. Hein. J'ai un bug dans ma version ou quoi? En fait, je me demande si j'ai un bug, parce que effectivement, a priori, tout le monde arrive à gérer le... Tout le monde arrive à gérer le truc. Sauf moi, voilà. Ce qui m'embête un peu.
Parce qu'une fois que je suis une fois que je suis proche du truc là, alors moi dans le vaisseau je ne peux plus Et on va tenter un truc. Allez, je vais quitter le jeu. Ah non mais est-ce que je vais pas niquer ma sauvegarde? Ouais non mais j'ai peur de niquer ma sauvegarde. Je me disais j'enlève le DLC. J'enlève le DLC et puis c'est ok quoi. J'enlève le DLC, je reviens en version 1.07, la version que tout le monde avait. Et puis let's go, on retente quoi. Mais enfin, c'est quand même con d'être si proche et de pas y arriver quoi. Si proche et pourtant si loin. J'arrive vite là. Où j'arrive vite. C'est bon, j'ai réussi à stabiliser le truc là. La station arrive, on y va. Oh, j'ai chié là. Bon, je suis pas sûr d'être bien là. Ah non, je peux plus. Alors, rattache-toi. Ah, je peux pas contrôler mon perso dans le cockpit, quoi. Si quand je suis si proche, quoi. Si j'essaie de m'encastrer là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe.
Ok, c'était pas une bonne idée. Je sais pas quoi faire. Il y a Rabia qui m'emmerde. Hop hop hop, qu'est-ce qu'ils disent? Outer Wells. C'est quoi le nom de l'achievement? Je sais plus. C'est Hotshot. Outer Wilds. Hotshot DLC. Ou 1.1.10. Je crois que c'est avec la version. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi je veux quelqu'un qui a joué récemment au jeu et qui a fait le truc récemment là. Moins d'un mois. Outer Wells, Hotshot, moins d'un mois, il y a 10 heures. Il y a quelqu'un qui l'a fait il y a 10 heures. Alors soit il a posté la vidéo. Blablabla, bla bla, ça tu y arrives. Moi aussi j'y arrive. Hein. Il se met là. Ouais, vas-y. Super, il y a eu un cut. Ouais, il s'éjecte. Il y a des gens qui s'éjectent. Ok. Bon bah on va essayer comme ça. Hein. Et quelqu'un qui m'a dit que non. Et quelqu'un quelqu'un qui s'éjecte mais de plus loin en fait, qui utilise l'éjection mais juste un chouïa plus loin quoi. A priori ouais effectivement. Là je viens de regarder une vidéo et la personne s'éjecte mais d'un peu plus loin. Ce qui fait qu'elle est dégagée du cockpit, quoi. Évidemment, je suis dans une autre fenêtre, donc... le bug de d'habitude. Voilà, merci. J'arrive vite, là. Où j'arrive vite. 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 J'arrive vite. J'arrive vite. Je vais mourir. 100% je vais crever. À moins que... Non.
Ah, il a réussi, félicitations. Quoi? Hein? Quoi? Pourquoi tu me dis ça? Attends, j'ai pas compris. Pourquoi tu me dis félicitations? Hein? Ça se trouve, j'ai le succès en plus. Je pense pas, mais... Allez, on peut le faire, on va y arriver, on y croit. Je suis revenu, t'as dit. Il suffisait de s'éjecter plus loin, j'ai cru que t'avais réussi. Bah non, oui, c'est ça. Je te dis, j'ai regardé une vidéo et... Et la personne s'éjecte de plus loin. C'est pareil, ça va être chaud quand même. Ça va quand même être assez chaud. Oh là là, mais... Ça, c'est de la merde. Mais c'est de la merde en branche, quoi. La fusée, elle est toute défoncée maintenant, du coup. Ça fout là, ça. C'est chiant. Bon. Vue libre. Non. Reste en face, merci. Ça m'a éjecté les autres. Oh putain, mais c'est pas possible. J'adore. Je kiffe. De toute façon, sur ce drone là, il n'y a rien qui allait. Je me suis tapé la sablière déjà. Déjà, c'était un très mauvais départ de se prendre la sablière en pleine tête. Enfin, d'ailleurs, même pas en pleine tête, d'ailleurs, je me suis bien prise dans le cul. Remonte, 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 remonte. Pourquoi ton acharnement là-dessus sinon? Parce que j'ai envie. C'est pas mal. C'est pas mal en fait de faire les trucs qu'on a envie. Finalement. Je sais que tout le temps que je passe à faire ça, c'est pas du temps que je passe à jouer à contrôle, mais j'ai envie de faire ce défi.
Je trouve qu'il est rigolo et j'ai envie de le faire. Trop vite. En fait, j'ai tellement peur de la sablière maintenant. Que je fais que de la merde, quoi. Elle est là. Et c'est parti, la station est là. On y va. J'aime bien les trucs qui apparaissent au fur et à mesure. Les deux trucs qui volent là entre les deux. Hop. Donc là, faut que j'essaie d'éviter les merdasses. Je suis en plein dedans là. Et voilà. Attendez, faut que je me mette bien en face là. Tac. Non, ça c'est pas en face, ça c'est de la merde. Je me mets là. Et après, je regarde. Et là, je peux pas sortir. Je vois tout le monde qui peut s'éjecter. Je vois tout le monde qui peut s'éjecter. Sauf moi. Bordel. Bordel, j'y suis. Ah, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça a fonctionné. Ah, le salaud. Salaud. Voilà, dernière phase. En restant avant la mort. Bah je l'ai eu, le petit succès. La vue est belle quand même. Hein. Faut avouer que la vue est pas dégueu. Hein. Regardez, ça c'est le soleil et ça c'est l'œil de l'univers. Maintenant on sait les trucs. On connaît les machins. Il y a quand même un petit bonsaï là qui pousse tranquillou. Hein. Au calme. Lui un peu plus cramé. Hein. Mais qui c'est qui est-ce qui veut arroser les plantes? Par contre. Vraie question. Hein. Qui vient arroser les plantes? Ça, j'ai ça. Est-ce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas un machin à lire? Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs à lire là-dessus.
sont en plastique quantique. Vous me croyez? Pas sûr. Hein. Par contre, mon vaisseau, il est où? Il est où, mon vaisseau? Si je veux repartir, je fais comment? Je peux pas, je vais mourir ici. Ah, d'accord. Il n'y a rien à lire. En fait, je pense que le truc qu'il y avait à lire, en fait, c'est le truc qu'il y a sur la porte. Mais c'est le truc sur la porte qui nous dit... Mais de l'autre côté, qui nous dit attention, c'est la porte d'évacuation. Faisait pas les cons, quoi. Hop, bon, ok, bon, bah voilà. J'ai réussi à faire ce truc-là. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, je vais faire un bisou au soleil. Le guetteur, il met danger. Je m'éloigne là? Genre, je m'éloigne du soleil. Genre, j'ai réussi à sortir de l'attraction du soleil, moi tout seul. Alors que. Je me casse le cul. C'est une blague. En vaisseau, on y arrive pas. Avec toute la puissance qu'on a. Ah voilà, c'est mieux là. Voilà. Allez hop. Bon, j'ai eu mon petit succès, je suis content. Ça a mis du temps, mais je suis content de l'avoir. C'est cool. Je suis content d'avoir relevé ce défi, quoi. Mais ouais, c'est pas... C'est un peu chiant, hein. Je dis un peu... J'entends beaucoup. Allez hop. Tac. Des bisous YouTube, pour une fois. On part sur une réussite. Trop bien. Merde. J'ai pas appuyé sur mon bouton. Allez, des bisous YouTube.